Morgan, allez, Idan et Susra, aujourd'hui le Nishmat, François Faji Ben Khana, Ruth, Janine Ruth, Bad Fortune, Mazal Fritna, Claude, Shlomo Ben Shalom, Ishaya Ben Linda. Si vous souhaitez aussi d'aider, une prochaine étude de Mishnah, complétée de 5 minutes éternelles, nous étions Masrèd Bratrot, Père Ekalef, Mishnah Gimen. Bet Shamay Omrim, Ba'erev, Kol Adam Yatou, Vikre, Ou, Ou Va Boker et Amdou, Shenemar, Ou Shoch Becha, Ou Koumecha, Ou Bethilel Omrim, Kol Adam Koren Kedarko, Shenemar, Ou Blechtecha, Ou Derech. Imken, Lama Nemar, Ou Shoch Becha, Ou Koumecha. בשעה שבני אדם שוכבים, ובשעה שבני אדם עומדים, je m'arrête là pour le moment, on explique, après on aura une histoire, en rapport avec ça. בית שמאי אומרים, בית שמאי מנסה, בערב, le soir, le קריאת שמע du soir, כל אדם יתו ויקראו, tous les hommes devront se coucher, d'accord, s'adosser, se coucher presque, et lire le schéma, pas se coucher complètement, il faut lire le schéma avec un autre quand même, mais en tout cas, en position couchée, avec un petit peu surélevé. Ça, c'est le soir. Ou baboker yamdou, et le matin, tu dois lire le Kriyat Shema debout. Shenehemar, comme le dit le pasouf, ou shoch becha, ou kumecha, lorsque tu te coucheras et lorsque tu te lèveras. Ou betil alomrim, non. Kol adam korek edrako. Tout homme doit lire comme ce qu'il veut. Tu peux lire coucher, assis, debout. C'est déjà fait le assis, comme ça c'est plus mechoubad. Shenehemar, comme le dit le pasouf, ou vlechtecha vaderech. Et tu le. Lorsque tu iras dans ton chemin, le fidar kecha. D'accord, comme tu veux, comme tu as l'habitude d'être. Imken, dans ce cas-là, Laman Neemar ou Shoch Becha ou Kumecha. Pourquoi dans ce cas-là, le Pasuk m'a-t-il dit ou Shoch Becha lorsque tu te coucheras, lorsque tu te lèveras, si ce n'est pas nécessaire de lire le schéma quand tu veux coucher, quand tu te lèves. La Becha'a Shemna Adam Shochvin ou Becha'a Shemna Adam Omdim. Au moment où les hommes se couchent et au moment où les hommes se lèvent. Soit, en fait, on a une marque essentielle. Il y a marqué ou Shoch Becha ou Kumecha. Selon Beth Shammai, c'est le pasouk qu'il faut le prendre, Kip Shuto, lorsque tu te couches, lorsque l'heure du couchage, le soir, tu dois te coucher pour lire le schéma. Et le matin, tu dois te lever, debout, Kumecha, lorsque tu te lèveras, tu te lèves et tu dis Shema Israël en position debout. Ça, c'est selon Beth Shammai. Beth Hillel m'a dit non, tu fais comme tu veux, parce que Kumecha, on n'est pas venu te dire la position dans laquelle tu lis, mais plutôt le moment dans lequel tu dois lire. D'accord? Et voilà. Ça, c'est pour la fin, la première partie de Mishnah. L'Halakha, bien sûr, elle est établie comme Beth Hillel. Mais on a une histoire particulière. Amar Rabbi Tarfon, Rabbi Tarfon me raconte. Ani Haïti Baba Derech. J'étais en train d'aller sur mon chemin. Veiteti Likrot Kedivre Beth Shammai. Et je me suis, donc, il faut rajouter, je me suis couché pour lire comme Beth Shammai. C'est-à-dire, en fait, Beth Rabbi Tarfon. Il allait sur son âne, sur son cheval. Il était sur son âne, et il y avait un. Lors du Kriyat Shema est arrivé du soir, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Tarfon? Il est descendu de son âne, il a organisé une position à l'aise pour pouvoir se coucher et lire de manière adossée, couchée. V'était-il les codes qui devraient être Shamaï? Et ce qui s'est passé, c'est V'sikanti be'atzmi mipna l'estim. Et je me suis mis en danger à cause des brigands qu'il y avait. Il est sur le chemin. Mais sur le chemin, il ne faut pas s'arrêter. Dès que tu t'arrêtes, tu risques d'attirer la foule là-bas. Les voyous qui sont, les brigands qui sont sur le chemin, ils risquent de venir le dépouiller. Il a pris, le dépouiller, même le tuer peut-être même. Donc je me suis mis en danger à cause de l'estime. Donc Rabbi Tarfon vient me dire non. Pour moi, donc Rabbi Tarfon, il vient me dire. Il vient dire, c'était tellement nécessaire d'être mahmir comme Beth Shammai, que je me suis arrêté pour lire comme ça, et réellement, j'ai vu qu'après que je me suis mis, ça m'a causé de me mettre en danger à cause de ça. Sur ça, ils m'ont rétorqué ses amis, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu as fait une vie d'être ainsi doute? C'est bien ce que tu as fait, c'est pas bien ce que tu as fait. Amrolo kedai aïta lachouf be'asmecha, shavartal yivon et ilel. Sache que, b'ochacham que mishamayim, on a eu pitié de toi, mais concrètement, tu étais apte à ce que tu sois mitrayev, mitar. Pourquoi Shavantal Lidon Beth Hillel? Qu'est-ce que ça veut dire? La lacha, elle est tranchée comme Beth Hillel, tu es mahmir comme Beth Shammai. Il y en a qui rajoutent au point de te mettre en danger. Donc tu as transgressé la vie de Beth Hillel selon Beth Hillel. Alors, on peut expliquer. Je reprends. La phrase simple, elle me dit t'as failli mourir, t'aurais dû mourir parce que tu as fait comme Beth Hillel. Parce que tu as pas fait, parce que tu as transgressé la vie de Beth Hillel. Maintenant, pourquoi il aurait dû mourir? C'est si grave de faire comme la vie de Beth Shammai? C'est une question qui est soulevée par les méfarchim. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux être mahmir. D'accord. Beth Hillel, il ne m'interdit pas de
de lire le schéma debout ou couché, apparemment. Donc qu'est-ce qu'il y a de si grave si j'ai voulu être mahmir pour Beit Shammai? Il y en a qui répondent de manière simple, en disant, c'est vrai, tu peux être mahmir comme Beit Shammai, mais quand tu es chez toi à la maison, tranquillement. Mais si pour faire une certaine chumra qui n'est pas nécessaire là-bas, selon la halakha, et tu vas à cause de ça te mettre en danger, là, c'est une chassidoute mauvaise. Ça devient une chassidoute. La midat chassidoute, c'est important, à condition de la faire avec sechel, de faire des choses bien propres et logiques, et cautionnées par le sechel. Mais si tu fais des choses qui sont quelque part stupides et pas nécessaires, et ben tu te mets en danger lorsque tu fais ça. La halakha est établie comme Beit Hillel, c'est bien, tu fais comme Beit Hillel. Tu veux faire comme Beit Shammai, fais-le, mais pas au point de te mettre en danger. Ça, c'est un premier avis. Il y en a qui expliquent, avec Kenegar, par exemple, sur ça ici, qui explique que non, le problème, c'est que même faire comme Beit Shammai pour le soir, c'est problématique. Parce que ça implique de lire le schéma couché, et c'est un manque de respect de lire le schéma en position couchée. Quand je vais au Kabbalat Beit Shammai, avec beaucoup sérieux, c'est pas une manière de dire comme ça, Shema Israël, Shema, Dieu, je suis ton esclave, c'est pas, fais-le avec crainte. Et donc, il faut faire de l'opposition assise. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Sahara Kotou. C'est là.